Salon en France, Paris Bravo, déjà une bonne journée, mais comme depuis le début de la semaine, nous avons ces conférences plénières en fin de journée. Et j'ai le plaisir de présenter Philippe Corcus, qui est de l'Institut d'études politiques de Lyon. Et comme nous le voyons tous et que nous l'avions vu dans le programme, le titre de sa conférence, que le savant et le politique. Alors, je remercie d'être là parmi nous et de nous présenter pour la prochaine demi-heure ou un peu plus un propos que nous aurons l'occasion d'échanger avec lui par la suite. Monsieur Corcus. Bien, merci. Donc, je vais traiter un thème classique de la sociologie, hein, le savant et le politique, schématiquement du rapport entre le registre des sciences sociales et le registre de la participation aux affaires de la cité, thème qui est souvent associé à Max Weber, thème qui a habité Max Weber en pratique, comme le rappelle Isabelle Kalinowski dans une récente traduction de la conférence de novembre 1917 sur la science, profession et vocation. Kalinowski rappelle, je cite, que Weber hésitait toute sa vie entre une carrière politique et une carrière scientifique, qu'il a été un des universitaires allemands les plus prompts à exposer ses positions politiques dans des journaux, avec une moyenne de 6 interventions par an entre 1915 et 1920, qui le situait dans les sommets statistiques de l'engagement académique, qu'il ait participé à la fondation d'un parti, le DDP, le Parti démocratique allemand, en novembre 1918, et à la genèse d'une constitution, celle de la République de Weimar, que ses écrits politiques soient réunis depuis 1921 dans un volume de 586 pages, ne change rien à l'affaire. Vu de France, il fut un chantre de la neutralité. C'est un problème traité pratiquement par Max Weber, posé pratiquement par Max Weber, qui est traité aussi épistémologiquement autour du fameux thème de la neutralité axiologique. Neutralité axiologique, j'y reviendrai, que Isabelle Kalinowski préfère traduire par non-imposition des valeurs, à la différence donc de la traduction consacrée dans les pays francophones par Julien Freund. Mais sans doute, ce thème a été traité moins systématiquement et frontalement qu'on ne le croit quand on se contente de lire le titre commun posthume donné à la réunion de deux de ces conférences, celle de 1917 et celle de 1919, le savant et le politique, puisque l'une portait justement sur le métier de savant et l'autre sur le métier politique, et la question des liens entre les deux n'est pas à traiter aussi systématiquement et frontalement qu'on ne le croit. Et en même temps, ce problème est traité dans d'autres textes de manière moins manichéenne que ne le laissent entendre les usages les plus routiniers du thème de la neutralité axiologique dans nos disciplines. Alors, dans cette conférence, je vais traiter le thème à travers deux couples d'oppositions associées, mais qui ne sont pas strictement équivalents, pas strictement superposables. Le couple, justement, jugement de fait, jugement de valeur, et le couple distanciation-engagement. Je le ferai en mettant à la distance deux pôles. Un pôle qui rabattrait les jugements de fait sur les jugements de valeur et la distanciation sur l'engagement. Ce n'est pas vraiment un pôle qui est présent aujourd'hui dans le monde académique, ou alors de manière implicite dans des critiques des vues dominantes, mais qui a pu être présent dans des moments, disons, d'effervescence sociale et universitaire, par exemple, autour de mai 68, que ce soit en France ou aux États-Unis, par exemple. Mettre à distance ce pôle qui rabat les jugements de fait sur les jugements de valeur et la distanciation sur l'engagement, mais aussi mettre à distance un pôle qui établirait une coupure radicale entre les deux termes, entre les deux pôles, en privilégiant d'un point de vue scientifique les jugements de fait et la distanciation contre les jugements de valeur et l'engagement. Ce pôle épistémologique, on verra peu souvent argumenté, est très prégnant dans le sens commun académique, corporatif académique, on pourrait dire. Et j'essaierai d'utiliser une série de ressources d'épistémologie sociologique et philosophique pour le traiter autrement que ces deux pôles. Alors, premier point, et puis je finirai sur une série de propositions épistémologiques synthétiques. Premier point, le retour sur la question de la neutralité axiologique ou Weber autrement. Je partirai d'une sociologue avec qui j'ai travaillé dans le groupe de sociologie politique et morale de Luc Boltanski et Laurent Thévedot, dont on a parlé tout à l'heure, Nathalie Hennich,
dans son livre « Ce que l'art fait à la sociologie » qui date de 1998, et puis dans un article plus récent des Cahiers internationaux de sociologie, « La sociologie à l'épreuve des valeurs » qui date de 2006, elle nous invite à revenir sur le thème de la neutralité du sociologue. Et elle va se construire comme une défense de la neutralité sociologique. Dans ces deux textes, donc, elle ne commande pas précisément les analyses de Weber sur la question, mais en reste plutôt au plan du sens commun corporatif académique sur le plan, avec le thème simplement de la neutralité axiologique sans qu'il soit explicité. Dans l'article plus récent, elle saisit bien les difficultés de la tâche de la position neutraliste du point de vue des valeurs en sociologie, puisqu'elle montre successivement que Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Raymond Boudon, Bruno Latour et Luc Boltanski n'arrivent pas à tenir cette position de neutralité. Bon. Mais le temps semblerait venu où cette préhistoire de la sociologie de Durkheim à Boltanski serait terminée, et grâce à Nathalie Hennisch, on serait rentré dans l'ère de la science, la vraie neutralité axiologique adossée à la nouvelle sociologie. Au-delà de ce type de prétentions, disons, quelque peu dérisoires, mais qui sont souvent recommencées dans les sciences sociales, il apparaît que la position de Nathalie Hennisch apparaît elle-même contradictoire, et c'est ça qui est intéressant pour reconstruire le problème, puisqu'elle est déjà contaminée axiologiquement. Contrairement à ce qu'elle affirme dans son livre, « Ce que l'art fait à la sociologie », qui appelle à une suspension de tout discours sur la nature ou la valeur des choses pour faire du discours interprétatif ou normatif, qu'il soit ordinaire ou savant, esthète ou sociologue, l'objet de son analyse, donc suspendre toute dimension normative pour faire du normatif l'objet de l'analyse, on la voit intervenir sur le terrain normatif. Par exemple, on peut se demander si sa critique, je cite, d'une sociologie qui place la vérité dans la violence faite aux acteurs, c'est la sociologie de Bourdieu, et qui est plus soucieuse d'avoir raison sur les acteurs que de comprendre leur raison, donc toujours une mise en cause de la sociologie de Bourdieu, on peut se demander si cette critique de la sociologie de Bourdieu a seulement à voir avec la science, ou si elle ne s'enracine pas également des considérations éthiques sur le rôle des acteurs et la place qu'on leur donne dans la sociologie. Car le fait de vouloir rendre raison à la dignité des acteurs contre les réductions d'une sociologie critique qui serait inspirée de Bourdieu n'a rien de neutre normativement. Par ailleurs, dans le même livre, elle met en avant le rôle social qu'elle attribue à ce qu'elle appelle la neutralité engagée du nouveau sociologue. Je cite, « un rôle de médiation, de construction de compromis entre les intérêts et les valeurs en jeu, voire de refondation d'un consensus ». Donc cette neutralité déboucherait sur un engagement, donc dans la médiation, la construction, le compromis entre les intérêts et les valeurs en jeu, voire de refondation d'un consensus. Ce rôle social de la neutralité engagée a sans doute aussi des relations avec une certaine conception de la politique et de la démocratie, qui n'est pas la seule possible dans la conjoncture. Est-ce qu'une telle position épistémologique n'engage pas aussi quelque chose comme un choix de philosophie politique qui, d'une certaine façon, jouerait l'agir communicationnel de Jürgen Habermas contre la mésentente de Jacques Rancière, donc un certain choix normatif de philosophie politique. Max Weber notait déjà que, je cite, dans son texte sur l'objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociale de 1904, « le juste milieu n'est pas le moins du monde une vérité plus scientifique que les idéaux les plus extrêmes des partis de droite ou de gauche. » Le juste milieu n'est pas le moins du monde une vérité plus scientifique que les idéaux les plus extrêmes des partis de droite ou de gauche. Par ailleurs, il se trouve que Nathalie Hennisch n'est jamais autant intervenue dans les médias français, Libération, Le Monde, etc., que depuis qu'elle affirme une neutralité sociologique. Et ça pour développer des positions politiques qu'on qualifierait facilement de conservatrices. Donc on peut se demander d'ailleurs, c'est une hypothèse à tester sur différentes conjonctures socio-historiques, s'il n'y a pas une certaine corrélation entre la revendication de neutralité dans les sciences sociales et des positions politiquement conservatrices. C'est en tout cas une possibilité. Ainsi même, l'analyse neutraliste de Nathalie Hennisch révèle au minimum des résidus éthiques non strictement réductibles à une logique scientifique. Ce qui nous invite à une relecture des complications de la question des rapports entre jugement de fait et jugement de valeur, et notamment chez Max Weber. Alors, tout d'abord, Weber combattait la thèse d'une science sociale, dit-il, sans présupposition,
car, et il ajoute, une portion seulement de la réalité singulière prend de l'intérêt et de la signification à nos yeux, parce que seule cette portion est en rapport avec les idées de valeurs culturelles avec lesquelles nous abordons la réalité concrète. D'où l'idée qu'il y a nécessairement ce qu'il appelle un rapport aux valeurs dans la sélection et la formation de l'objet d'une recherche empirique. Une nécessité d'un rapport aux valeurs. C'est dans son essai sur le sens de la neutralité axiologique dans les sciences sociologiques et économiques de 1917. Néanmoins, dans le même texte, il tenait à une distinction entre rapport aux valeurs et évaluation. C'est par rapport au second terme, évaluation, que prend sens la notion de neutralité axiologique. Entendue, je cite, comme un refus d'affirmer quoi que ce soit sur ce qui doit valoir, ou encore, seconde formulation, comme l'exigence extrêmement triviale qui impose aux savants ou aux professeurs de faire absolument la distinction, puisque ce sont deux séries de problèmes tout simplement hétérogènes entre la constatation des faits empiriques et sa propre prise de position évaluative de savant qui porte un jugement sur des faits. À ce niveau, on aurait donc chez Weber une tension entre la reconnaissance d'un rapport aux valeurs du savant et le fait de refuser les évaluations au sens de prise de position axiologique directe. Or, même si l'on écarte du travail scientifique de telles prises de position directes sur ce qui doit valoir, est-ce que l'on a affaire à des problèmes complètement hétérogènes, selon les termes de Weber ? Est-ce que l'on n'a pas déjà plus indirectement une présence de ce qui doit valoir dans le rapport aux valeurs engagé dans le travail scientifique, ses outils et son langage ? Max Weber offrait une piste pour travailler cette tension. Ainsi, il n'interdisait pas complètement aux savants, dans le texte de 1904, d'exprimer sous forme de jugement de valeur les idéaux qui les animent. Et lui, comme je l'ai rappelé, a beaucoup exprimé ses idéaux dans la vie politique de son temps. Mais cela supposait notamment, je cite, de porter scrupuleusement à chaque instant, à leur propre conscience et à celle des lecteurs, quels sont les étalons de valeur qui servent à mesurer la réalité et ceux d'où ils font dériver le jugement de valeur. On pourrait dire que réinterpréter dans le cadre des interrogations contemporaines sur la réflexivité sociologique, c'est-à-dire le retour réflexif sur les présupposés des chercheurs, sur les conditions socio-historiques de l'enquête, sur le rapport enquêteur-enquêté, etc. Donc, réinterpréter dans le cadre de cette réflexion contemporaine sur la réflexivité sociologique, cette piste pourrait déboucher sur un effort d'explicitation des dimensions axiologiques du travail sociologique qui contribuerait à le rendre plus rigoureux. On entendrait alors la neutralité axiologique comme un horizon régulateur, en un sens kantien, la démarche réflexive pouvant constituer un instrument d'orientation vers un tel horizon, substituant aux tentations scientistes de négation ou d'illusoire purge définitive des aspects axiologiques du travail scientifique. Donc à partir de la tension weberienne entre rapport aux valeurs et jugement de valeur, et de l'outillage de la réflexivité sociologique, je me suis efforcé de dégager une voie intermédiaire, plus dialectique. Les énoncés des sciences sociales ne pourraient pas échapper à des présupposés, notamment axiologiques. N'oublions pas que la recherche sociologique utilise des modes d'évaluation des comportements et des processus sociaux. Évaluation pas au sens de Weber lui-même dans son texte, qu'il assimile à un jugement de valeur directe, mais évaluation au sens plus contemporain, plus trivial, qu'il revêt par exemple dans des expressions comme évaluation des politiques publiques. Or, ces modes d'évaluation ont une double dimension technique, c'est-à-dire ce sont des systèmes de mesures, comme les statistiques, et morales, ce sont des systèmes de valeurs à partir desquels du plus et du moins peuvent être mesurés. Mais les sciences sociales ne se réduiraient pas à leurs composantes axiologiques. Elles auraient historiquement produit des outils d'objectivation et de distanciation dotés d'une consistance et d'une dynamique propre, contribuant à leur attribuer une autonomie relative élargie grâce à la réflexivité sociologique. En aidant à éclaircir le domaine de validité des énoncés scientifiques produits, la réflexivité ne constituerait pas une invalidation de leur scientificité, mais bien, au contraire, un instrument de consolidation de la rigueur scientifique. Cette réflexivité ne devrait d'ailleurs pas être avant tout comprise sur le mode héroïque et individualisé, souvent promu par Bourdieu, même s'il peut y avoir des usages utiles et limités qui peuvent être posés dans cette direction, mais plus banalement, comme un effet collectivisé né des contrôles croisés au sein des communautés scientifiques.
Si l'on doit s'efforcer de mieux saisir individuellement et surtout collectivement les effets scientifiques des valeurs engagées par le chercheur dans ses investigations, cela ne signifie pas, c'est une autre dimension, qu'on puisse réduire ces valeurs indépassables, ce résidu axiologique, à des obstacles épistémologiques, comme tend à le faire la tradition de la rupture épistémologique dans la lignée qui associe Durkheim, Bachelard, Althusser, Bourdieu. On peut les appréhender plus largement comme alimentant la préstructuration du regard scientifique qui va orienter le champ de visibilité du sociologue et corrélativement son champ d'invisibilité dans toute une série de questionnements. Les valeurs revêtiraient alors une double dimension, à la fois carburant pour le champ de visibilité et obstacle pour le champ d'invisibilité produit par le sociologue. Weber lui-même avait bien conscience que leur aspect de carburant cognitif ne pouvait être réduit simplement à un obstacle épistémologique, contrairement au tenant actuel qui se réclame de lui de la neutralité axiologique étroite et corporative. C'est dans cette perspective que, dans son texte de 1917, il se dit favorable au recrutement d'un anarchiste comme professeur de droit. Car, d'un point de vue libertaire, je cite Weber, « situé en dehors des conventions et présuppositions qui paraissent si évidents à nous autres, peut lui donner l'occasion de découvrir dans les intuitions fondamentales de la théorie courante du droit une problématique qui échappe à tous ceux pour lesquels elles sont par trop évidentes. » Donc, ici, Weber défend un juriste anarchiste parce qu'anarchiste et non pas malgré qu'il soit anarchiste, comme produisant un carburant cognitif particulier sur la question du droit. À ce moment de notre reproblématisation des méandres weberiens, la nouvelle traduction proposée par Isabelle Kalinowski de la neutralité axiologique vient appuyer, disons, nos pistes. Elle explique ainsi, Weber ne pose pas le problème de la possession ou non de valeurs, mais celui relationnel de leur mode de transmission, d'où la traduction qu'elle avance de non-imposition des valeurs. Ce serait avant tout chez Weber une mise en garde, et d'abord de manière réflexive vis-à-vis de lui-même, contre les effets d'une position d'autorité pédagogique. Car selon Weber, l'universitaire en tant qu'enseignant-chercheur devrait s'efforcer de développer l'esprit critique et la distanciation chez ceux à qui son discours était destiné, en premier lieu les étudiants. Ce qui avait des conséquences sur le contenu comme sur la forme de ce discours. Dans sa conférence sur la science, profession et vocation de 1917, il précisait dans cette perspective, je cite, « Quand un enseignant remplit correctement sa fonction, sa première tâche est d'apprendre à ses élèves à reconnaître l'existence de faits qui les dérangent dans leur parti pris. Et tous les partis pris, y compris les miens par exemple, rencontrent ce genre de faits extrêmement dérangeants. » Cela renvoie là à une éthique de l'universitaire vis-à-vis des effets de pouvoir de son discours dans la relation pédagogique, renvoyant à toute une philosophie morale de la place de l'enseignement dans la construction d'un penser par soi-même, intégrant une composante du penser contre soi-même qui puise dans les lumières du XVIIIe siècle. On aurait là une orientation sensiblement différente de la constitution ultérieure par des lecteurs et traducteurs de Weber d'un impératif épistémologique de neutralité éthique et politique du savant. Donc, premier axe qui était le plus important, cette reproblématisation de la neutralité axiologique à partir de Max Weber. Deuxième axe, la question du couple engagement-distanciation. Là, je puiserai des ressources chez Maurice Merleau-Ponty et chez Norbert Elias. Ce que j'ai dit précédemment des relations entre jugement de fait et jugement de valeur incite à chercher un nouvel équilibre entre engagement et distanciation dans la démarche sociologique. Je vais d'abord m'arrêter sur une série d'écrits de Maurice Merleau-Ponty, en particulier dans son grand ouvrage de philosophie « Phénoménologie de la perception » de 1945, et puis dans toute une série de ses textes de philosophie politique. Si je veux un peu synthétiser le point de vue de Maurice Merleau-Ponty, on pourrait dire que, pour lui, je serai d'abord au monde avant de réfléchir sur lui de manière consciente, et donc de prendre explicitement des décisions. Avant même la conscience réfléchissante, il y aurait un rapport corporel au monde, une présence au monde marquée par la présence préalable du monde. Ce monde serait fait des autres, des choses et de leurs relations insérées dans des processus historiques. Alors, je serais d'une certaine façon préalablement engagé par ce monde avant de m'engager consciemment dans ce monde. Le non-engagement serait donc illusoire, et le savant qui voudrait s'isoler participerait quand même au cours du monde et aurait, malgré l'état de sa conscience, une certaine responsabilité par rapport à lui.
De cette façon décalée de poser le problème de l'engagement, on peut tirer qu'on ne serait jamais complètement dégagé, même si l'on manifeste une volonté de neutralité ou de légitime hésitation, et qu'on ne serait jamais seulement engagé de manière consciente et volontaire. À chaque fois, on serait plutôt confronté à une certaine façon de nouer du volontaire sur de l'involontaire, du réfléchi sur de la sensibilité, de la raison sur du corps, de l'engagement dans le monde sur de l'engagement par le monde. Dans la correspondance de sa rupture intellectuelle et politique et amicale avec Sartre, qui date de juillet 1953, Merleau-Ponty prolonge ses réflexions qu'il systématisera encore en 1955 dans « Les aventures de la dialectique ». Merleau-Ponty met également alors en cause dans ses textes la tentation du tout politique incarné par Sartre et son aplatissement de l'autonomie des ressources proprement intellectuelles. Pour lui, l'engagement de Sartre, je cite, « colle à l'événement sans distance ». Sartre oublierait que ses outils intellectuels lui offrent justement des possibilités de distanciation critique. C'est ainsi qu'événement après événement que Sartre avalerait les couleuvres de la politique stalinienne sans jamais prendre la mesure du stalinisme comme nouvelle forme d'oppression. Ici, Merleau-Ponty défendait la position d'un certain recul contre ce qu'il appelle le point de vue de l'instant de Sartre. Il dessinerait donc un va-et-vient entre l'événement et la ligne générale, comme il dit, ménageant une distance, je cite encore, entre l'événement et le jugement, susceptible de désarmer le piège de l'événement. Les voies ouvertes par Merleau-Ponty nous désignent clairement qu'une série d'impasses auxquelles les milieux intellectuels nous ont habitués. La figure du savant apolitique et dégagé, prétendument retiré hors du monde, et deuxièmement, la figure du savant engagé qui croit surplomber le monde et qui, événement après événement, pense se mesurer seul à l'histoire. Or, parmi les autres et non au-dessus des autres ou séparé des autres, inquiet de sa propre pente narcissique, soucieux de ses responsabilités sociales, mais n'hésitant pas à prendre du champ pour ne pas avoir les yeux brûlés par les évidences de l'actualité, de l'événement, le savant engagé dessiné en pointillé par Merleau-Ponty apparaît plus fragile et plus modeste, mais plus sérieux. Il n'est pas opposé à la distanciation, mais incorpore dans l'engagement inéluctable une exigence de distanciation. On pourrait dire qu'en sociologie, Norbert Elias a été un de ceux qui s'est plus nettement orienté dans une telle voie équilibrant engagement et distanciation, dans son livre précisément intitulé « Engagement et distanciation ». Elias écrit notamment à propos des chercheurs en sciences sociales, leur propre, je cite, « leur propre participation, leur engagement conditionne par ailleurs leur intelligence des problèmes qu'ils ont à résoudre en leur qualité de scientifique. Car si pour comprendre la structure d'une molécule, on n'a pas besoin de savoir ce que signifie se ressentir comme l'un de ses atomes, il est indispensable pour comprendre le mode de fonctionnement des groupes humains d'avoir aussi accès de l'intérieur à l'expérience que les hommes ont de leur propre groupe et des autres groupes. Or, on ne peut le savoir sans participation et engagement actif. » Donc ici, d'une certaine façon, pour Elias, l'engagement est une condition de la recherche scientifique. D'où, selon Elias, la nécessaire dialectique dans un va-et-vient et un équilibre entre distanciation scientifique vis-à-vis de ses préjugés d'acteurs sociaux et engagement, c'est-à-dire une façon d'assumer scientifiquement comme un point d'appui cognitif ses insertions et ses expériences sociales. Ainsi, les implications sociales du chercheur, cognitives, langagières, pratiques, dans des groupes particuliers comme dans des rapports sociaux plus larges, se révéleraient autant comme des points d'appui que comme des obstacles au travail de la recherche. Donc, les engagements militants du savant dans la cité ne constitueraient qu'une composante de ces insertions sociales. Or, encore une fois, la tradition de la rupture épistémologique dans la lignée de Durkheim, Bachelard, Althusser, Bourdieu les a surtout problématisés comme des obstacles épistémologiques. Certes, le savant nécessairement impliqué devrait mettre à distance ses insertions sociales, dont ses engagements proprement politiques, pour ne pas se laisser aveugler par les évidences qu'elles tendent à générer, tout en s'en servant pour mieux comprendre l'univers qu'il étudie. Je nommerai distanciation compréhensive cette posture, cette position d'équilibre, qui appelle encore une fois la mise en œuvre d'une réflexivité sociologique, donc d'un retour réflexif du chercheur sur ses implications et sur leurs effets sur le cours de sa recherche. À travers ces deux plans, le rapport entre jugement de fait et jugement de valeur et le rapport entre engagement et distanciation, à travers, disons, le point de vue weberien, puis les ressources que nous offrent à la fois Maurice Merleau-Ponty en philosophie ou Norbert Elias en sociologie, j'ai essayé d'appréhender de manière
plus complexes les rapports entre le savant et le politique à travers une vision, disons, plus interactive, un équilibre dans la tension entre les jugements de valeur et les jugements de fait, et entre la distanciation et l'engagement. Cela s'inscrit dans un cadre plus global d'une série de propositions épistémologiques synthétiques que je vais livrer ici à la discussion. Donc je terminerai, disons, cet exposé autour de quatre propositions dans le cadre, disons, qui constitue le cadre général dans lequel ma réflexion s'insère. Ces propositions se nourrissent tant d'une série d'expériences d'enquête sociologique que d'engagement citoyen et de formes variées de métissage entre les deux. Première proposition, les relations entre connaissances savantes et connaissances ordinaires du monde social doivent être envisagées de manière non exclusive, tout à la fois dans leur continuité, dans leur discontinuité et dans leurs interactions. Ce qui suppose de refuser la polarisation entre, d'une part, l'affirmation d'une rupture épistémologique qui séparerait les sociologies professionnelles et les quasi-sociologies des acteurs, et d'autre part, la tentation d'une indistinction entre les deux registres de savoir. Deuxième proposition, nos insertions sociales, dont les insertions militantes, mais pas seulement, se révèlent être tout à la fois des obstacles et des points d'appui pour notre travail scientifique, vu alors comme une dialectique de l'engagement et de la distanciation, de la compréhension et de l'objectivation, qui alimente une logique de distanciation compréhensive ou de compréhension distanciée. À partir de là, la tension et les contradictions entre une logique de rigueur de la recherche et les impératifs de l'action militante nourrissent une double inquiétude éthique, dans les deux sens, vis-à-vis des effets négatifs du militantisme sur la démarche de recherche, comme, ce qu'oublient souvent les chercheurs, des conséquences perturbatrices des logiques de la recherche sur l'action militante, ce qui peut contribuer tout à la fois, de manière différente, au mouvement de la recherche et à celui de l'action. Troisième proposition, on doit considérer dans un même cadre l'encastrement axiologique des énoncés des sciences sociales comme la façon dont il s'en émancipe partiellement en acquérant une certaine objectivité scientifique. Notre approche de la neutralité axiologique, ou plutôt de la non-imposition des valeurs, s'en trouve déplacée. On l'envisagera comme un horizon régulateur invitant à une réflexivité sociologique sur les composantes éthiques de notre travail, plutôt que comme la quête illusoire de la purification de cette dimension. Dans cette perspective, c'est une meilleure maîtrise réflexive de l'axiologique dans le sociologique et de ses effets sur le domaine de validité des énoncés scientifiques, comme de ses effets d'autorité sur les enseignés, et non pas une négation qui permettrait de faire progresser tant la scientificité des énoncés que l'éthique de la pédagogie scientifique. Quatrième et dernière proposition, la connexion du travail sociologique avec un horizon émancipateur radicalement autre, utopique, apparaît comme une des ressources disponibles, une ressource non nécessaire et non exclusive, pour élargir les questionnements critiques et plus globalement l'espace mental de l'enquête sociologique. Comme l'a très bien esquissé l'américain Wright Mills dans son classique « L'imagination sociologique » en 1959. On pourrait dire que imaginer l'impossible, ce qui apparaît socialement impossible à un moment donné, constituerait ainsi une des voies pour ouvrir ici et maintenant le champ du pensable et l'univers du possible, tant du côté des cadres cognitifs du sociologue que de son engagement dans les affaires de la cité. On pourrait dire qu'il y aurait une fonction heuristique de l'utopique dans la recherche comme dans l'action. Pour conclure, je dirais que la voie de la tension, de l'équilibre et de la dynamique entre engagement dans les métiers intellectuels et engagement dans la cité que j'ai proposé ici ne constitue qu'une des voies possibles pour faire avec la complexité de la configuration épistémologique et éthique qui caractérise notre situation d'enseignant-chercheur dans les sciences sociales. Tout cela ne plaira sans doute pas aux épistémologues aux mains blanches qui aiment bien établir des séparations nettes et définitives entre le pur et l'impur, la science et les illusions des acteurs, les jugements de fait, les jugements de valeur, ou la vocation du savant et celle du militant. Ils tendent alors souvent à repousser à deux mains la purification finale de la science sociale, purification finale dont ils seraient l'avant-garde, alors que les sociologues jusque-là réellement existants, les pauvres, des classiques aux contemporains, seraient toujours dans l'impureté. Cette avant-garde purificatrice, souvent politiquement conservatrice, aurait peut-être intérêt à lire un certain Maurice Merleau-Ponty qui, notamment dans sa philosophie politique, laisse une part, dans les pensées comme dans les actions humaines, à l'incertitude, à l'ambiguïté, à la fragilité, aux circonstances qui nous échappent,
mais sans pour autant abandonner une double visée de vérité et de justice en tension, toujours difficile et jamais définitivement garantie, en prenant la forme de ce qu'on pourrait appeler des paris raisonnés. Ce qui nous invite ni à la négation de la rigueur scientifique, ni à la négation scientiste de nos impuretés, de nos fragilités constitutives, mais à assumer réflexivement ces impuretés et ces fragilités dans le mouvement de constitution de rigueur scientifique partielle et provisoire. Merci. Merci Philippe Corcuff, je suis content que vous ayez pris vous avez pu clarifier ce débat qui est en permanence, revient, vous m'êtes étudiant, scientifique depuis des années et des années, et surtout pour notre contemporanéité. Il y a deux questions qui viennent. Toi, vous avez fait allusion à l'utopie, qu'est-ce que vous appelez, l'utopie, le champ du pensable. Est-ce que ce n'est pas un peu ce projet que déjà visaient Marx et Engels? Le second point, c'est de savoir... Bon, souvent, quand on dit le savant et le politique, on a souvent dit que le savant d'un côté et le plus de l'autre. Or, Max Weber et beaucoup de gens sont sur les deux registres. Alors, il faut produire, il faut être intellectuel, il faut être un producteur d'idées. J'aimerais savoir comment, effectivement, le savant intellectuel associe sa démarche avec le... Non, comment l'intellectuel savant rencontre l'intellectuel politique? À chaque fois. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans un certain, disons, conformisme académique qui se comprend, c'est-à-dire qui, en tout cas, par exemple, pour la France, mais aussi aux États-Unis, a succédé à une période étrange qui pourrait paraître étrange aujourd'hui, c'est la période autour de 68. Moi, j'ai vécu la fin. On voyait des gens dans des cours de l'université, dans des forums scientifiques, expliquer qu'ils avaient la bonne science, à la fois la bonne philosophie et la bonne ligne politique, parce qu'ils avaient le bon parti. Ils n'étaient pas tous du même parti. Certains étaient maoïstes, trotskistes, communistes, etc., socialistes. Et donc, tout était emboîté, et donc, il y avait l'idée que tout ça c'était la même chose, hein. Ça donnait la vérité. Bon. Et alors, on a connu après un renversement, on a tordu le bâton dans l'autre sens, on a insisté sur l'autonomie du champ scientifique, et peu à peu, on est arrivé à une sorte de sens académique positiviste, scientiste, qui méconnaît toutes les insertions du sociologue, et dont normalement le sociologue devrait être le premier à connaître les insertions des acteurs sociaux, et donc du sociologue lui-même. Bon. Et donc il y a eu ce basculement. Bon. Donc ce sens commun corporatif qui a succédé, disons, à l'effervescence marxo-gauchiste, on va dire, les deux, d'une certaine façon, me semblent dommageables par rapport à l'analyse que j'ai essayé de produire. Et donc, je ne me situe pas du tout dans une nostalgie, comme je l'ai connu sur la fin, je ne me situe pas du tout dans la nostalgie d'avant. Avec ce sens, disons, commun, corporatif, un peu plus étriqué aujourd'hui, la
catégorie d'utopie a complètement perdu, disons, de sa place dans le débat proprement scientifique. Or, ce que j'ai voulu dire là, mais il me semble que c'est très présent dans la thématique de l'imagination chez Wright Mills, comme justement un outil pour limiter la routinisation du langage scientifique, des paradigmes, etc., que imaginer des choses qui n'existent pas ou qui sont socialement impossibles, ne serait-ce que comme idéal type, ça peut permettre de poser de nouvelles questions qu'on ne poserait pas habituellement et donc d'éclairer autrement la réalité. Et donc, ça a une fonction proprement cognitive pour le chercheur en sciences sociales. Bon. Et donc, il me semble que là, il y a un peu plus que Marx. Évidemment, c'est quelque chose qui est présent chez Marx. Mais il me semble qu'il y a, au moins trois façons de prendre des formes de distanciation par rapport à ce qui existe. Pas de négation de ce qui existe, mais des formes de distanciation. Il y a la forme de l'historicisation. C'est-à-dire qu'on va remonter le cours de l'histoire pour voir comment sont construites les choses. Bon. C'est tout le succès, disons, depuis, en tout cas en France, depuis une dizaine d'années, de la socio-histoire, qui est un outil de distanciation. Il y a la comparaison ethnologique. C'est-à-dire qu'on va chercher des sociétés très éloignées, et dans l'écart entre ces sociétés très éloignées et les fonctionnements contemporains, actuels, on va penser autrement. Je pense à quelque chose que j'utilise souvent pour mes étudiants, un livre qui est sorti d'un ethnologue français d'origine chinoise du CNRS, Cai Hua, sur les nains de Chine, sur cette société sans père ni mari dans l'Himalaya chinois, bon, qui est assez intéressant pour, disons, dénaturaliser ce qui nous paraît évident et naturel à nous. Et puis, il me semble qu'il y a une troisième forme possible de distanciation avec les évidences de ce qui existe, c'est l'utopie ou ce que Wright Mills appelle l'imagination sociologique. C'est-à-dire proposer des choses complètement étranges, qui n'existent pas, mais qui nous permettent de poser à la réalité des questions qu'on n'aurait pas posées autrement. Donc là, il me semble que c'est quelque chose qui peut être utile dans le travail sociologique lui-même, mais que tend à empêcher, disons, ce retour de bâton positiviste ou scientiste qu'on connaît, disons, depuis en tout cas, disons, le début des années 80, peut-être en France. Alors, la question du rapport entre l'intellectuel savant et l'intellectuel politique, c'est compliqué. C'est-à-dire que on a là différents modèles aussi. Et il ne s'agit pas de choisir ces modèles. On a connu dans l'histoire, disons, du mouvement ouvrier et de la gauche, quelque chose qu'on pourrait appeler l'intellectuel dirigeant. C'est-à-dire, c'est Lénine, Rosa Luxembourg, Jaurès, etc. Donc, ces dirigeants sont des intellectuels, d'une certaine façon, des savants, et en même temps, ce sont des dirigeants politiques. Et on voit bien que le rapport à la politique est quand même fortement associé aux ressources intellectuelles qui sont les leurs. On voit toute la perte quand on passe de Jean Jaurès à Ségolène Royal. Hein, bon. Non, parce que ce n'est plus le même type de dirigeant politique. Bon. Mais en même temps, dans cette figure, sans doute un des derniers grands types de cette façon, c'est mon ami Daniel Ben Saïd, qui est mort en début d'année, qui sans doute a représenté le dernier intellectuel dirigeant ou militant de ce type. Bon. Et puis, il y a ce qu'a voulu... mais le danger de cette figure, c'est que l'autonomie du travail intellectuel n'apparaît pas clairement. Bon. Et d'une certaine façon, ces gens-là ont été savants à une époque et le sont plus complètement, le sont encore un peu. Bon, voilà. Après, il y a la formule qu'a essayé de tester Bourdieu, disons, dans les années 90, avec l'association Raison d'agir. C'est l'idée que je vais intervenir dans le débat public en tant que savant. Donc, je vais avoir... D'ailleurs, je ne vais pas aller dans les syndicats ou dans les partis ou dans les associations avec les autres, puisque je vais faire une association de savants qui vont intervenir en tant que savants dans l'espace public. Donc, c'est l'idée du parti des intellectuels, on peut dire, hein, qui est relancée là. Alors là, le danger, c'est une mauvaise appréhension de ce que c'est que l'être social du sociologue. C'est-à-dire, c'est comme si le sociologue se définissait avant tout par sa fonction professionnelle, mais qui se définit
essentiellement par sa fonction professionnelle. Le sociologue est un être social avec des tas d'attaches sociales, d'expériences sociales extrêmement diversifiées. C'est un père, c'est un mari, c'est un amant, c'est extrêmement de choses, donc ce n'est pas qu'un sociologue. Pourquoi, par exemple, dans la vie amoureuse, le sociologue crée une organisation qui dirait « dans la vie amoureuse, j'interviens en tant que sociologue bon. ». Est-ce que ça aurait un sens bon. Bon. Ben, c'est un peu ce que fait Bourdieu avec la politique, on peut dire. C'est-à-dire qu'il réduit l'être social du sociologue à n'être que le sociologue, ou essentiellement le sociologue, et c'est en tant que sociologue qu'il parle. Alors, c'est une vision un peu fausse de ce que c'est que l'être social du sociologue, qui est beaucoup plus composite. En même temps, ça a le danger de reconduire la vision platonicienne du philosophe roi sous la forme du sociologue roi, puisqu'il y a à la fois l'idée que la science va dire la vérité sur la vie de la cité. Et que, alors, le point de vue de la science, dans le débat public, ce n'est plus une opinion parmi les autres, mais c'est la vérité scientifique qui doit s'imposer, quelque chose comme ça. Donc, il me semble, dans ces deux modèles intéressants, il y a des limites, et donc, moi, ce que j'essaie de pratiquer, c'est en fait le métissage des figures. C'est-à-dire, je pense que comme on est des êtres sociaux assez composites, on est amené à métisser des choses et que parfois je suis surtout militant, parfois je suis surtout savant, parfois c'est des composés entre les deux. Et donc je fais plutôt un éloge du métissage plutôt que ces deux figures de l'intellectuel dirigeant politique ou militant politique et l'intellectuel, disons, qui intervient en tant qu'intellectuel dans le débat de la cité. J'emprunte deux minutes, pardon, le micro. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour plaider pour le retour de l'imagination. J'ai essayé de le faire à ma façon hier soir, mais je ne suis pas sûr de te suivre jusqu'au bout dans la liaison que tu fais entre imagination et utopie. Dans une certaine mesure, il y avait une certaine synonymie entre les deux termes dans ta présentation. Or, il me semble que dans l'utopie, il y a une dimension normative qu'il n'y a pas dans l'imagination. On peut très bien imaginer des possibles logiques à partir de ce qui peut être observé, analysé sur le terrain, sans pour autant faire de ces possibles des désirables d'une certaine façon. Est-ce que le détour par l'utopie est nécessaire dans le travail de l'imagination ? C'était un peu ça. Non, tu as raison. L'imagination et utopie ne sont pas strictement équivalents. On pourrait dire que l'utopie, c'est une des zones de l'imagination. Bon. J'entends pas utopie au sens d'un système constitué de sociétés claires, etc. J'en sens au sens étymologique, tel qu'un peu l'a travaillé en philosophie Paul Ricoeur ou Miguel Abensur, c'est-à-dire au sens d'un ailleurs qui permet de penser un écart. Pas un ailleurs qui vise à être réalisé, mais qui vise à penser un écart. Et c'est tout le travail de ces dernières années de Miguel Abensur, de reprendre l'idée d'utopie qui ne soit pas déviée dans une forme totalitaire où on veut réaliser l'utopie. Non, il s'agit simplement de maintenir un écart. Et c'est pour ça qu'il fait, par exemple, d'Emmanuel Lévinas un des grands penseurs de l'utopie. Donc, c'est pour penser ces écarts. Si j'ai pris le mot utopie, c'est que je l'intégrais à la fois sur le plan de la fonction scientifique et aussi sur le plan de l'action dans la cité. Et donc là, le mot utopie est au croisement des deux. Voilà. Mais c'est vrai que l'utopie n'est pas la seule façon d'envisager l'imagination. Je voudrais intervenir, ou te faire parler plutôt, sur un troisième aspect que tu n'as pas vraiment touché. Ok, on a perdu l'utopie, en tout cas, on n'en parle plus beaucoup. On est dans les eaux basses de l'utopie. Je doute qu'elle ne revienne pas. On est dans les eaux basses de la scientificité ou du positivisme. Après le structuralisme, bon, là aussi, il n'y en a plus beaucoup qui s'aventurent énormément dans ces prétentions. En revanche, on parle beaucoup d'experts, on parle beaucoup d'évaluation, on parle beaucoup de participation à la vie démocratique. On essaye d'imaginer des formes un peu nouvelles aussi pour le,
scientifique, entre guillemets, je dirais, pour le sociologue, hein, pour éviter le terme trop connoté de scientifique, pour le sociologue ou les autres, le politologue ou l'historien, d'autres manières de participer à la vie démocratique, étant donné que c'est surtout cet horizon-là qui, maintenant, est l'horizon principal. Il me semble que c'est là surtout le problème. Maintenant, on n'est plus entre grande utopie ou entre... Ça, ce sont des choses qui se sont un peu retirées. On a comme d'autres choses devant nous, peut-être plus ternes, mais nécessaires, peut-être aussi dans le temps actuel, ou en tout cas pour lesquelles on est sollicité. Alors ça... Comment dire ? C'est pas contradictoire, mais... Je me méfie du discours sur on a des choses, on a abandonné les grandes utopies, c'est la fin des grands récits, on voit des choses plus, on est plus réaliste, mais donc d'une certaine façon, on a des choses intéressantes à faire dans le cadre de la démocratie, etc. D'abord, ça suppose de réfléchir sur quels sont les modèles de démocratie qui nous engagent. Or, souvent, dans ce qu'on appelle démocratie, c'est en fait souvent la démocratie représentative de marché, c'est-à-dire la représentation politique plus le marché. C'est ça qu'on a appelé démocratie souvent, en Occident, les 20 dernières années. Et puis, on a autrement la tentation, on peut en penser la démocratie comme consensus, comme voie vers le consensus, hein, comme Habermas. On peut penser à la démocratie comme conflictualité, comme Claude Lefort ou comme Rancière. Bon, on l'a vu, par exemple, la sociologie de Nathalie Hennig, dite neutraliste, s'exprime beaucoup implicitement d'une vision consensualiste. Hein. Le sociologue est là pour faire des médiations, pour que les gens s'entendent, bon, pour réparer les choses. On va réparer le tissu social, on va réparer le lien social, etc. Le sociologue est là pour faire ça. Bon. Donc, cette évidence qu'on est dans un cadre... La démocratie qui pose des problèmes intéressants, etc. Ce cadre n'est pas très clair aussi. Et il y a des visions assez contradictoires de ce qu'on peut appeler démocratie aujourd'hui. Deuxièmement, que ce soit pour la recherche ou pour l'action, le fait d'un horizon, d'un ailleurs, donc ce que tu appelles une grande utopie, n'est pas nécessairement dommageable. C'est-à-dire, on pense que c'est antagonique avec le fait de faire des choses. Alors qu'il me semble tout à fait qu'il peut y avoir une pragmatique de l'utopie. Si l'utopie, c'est un horizon, même lointain, qui nous explique, qui nous donne un repère, bon, et qui nous conduit, à comprendre un peu différemment la société, pour les sociologues, et puis pour les acteurs, à faire des réformes, à transformer des choses. Bon. Je ne vois pas en quoi, pourquoi l'utopie, ça empêcherait. Donc, le discours conservateur aujourd'hui, ou néo-conservateur de gauche, nous dit il faut abandonner l'utopie, il faut être réaliste parce qu'il faut faire des choses concrètes, etc., etc. Mais en quoi avoir un horizon extérieur radical, par exemple, le simple fait de dire qu'il est possible qu'on puisse envisager une société non capitaliste, bon, simplement quelque chose qui était évident dans les années 70 et qui paraît aberrant aujourd'hui, bon, cette simple idée, bon, ben, pourquoi ça nous empêcherait de faire des réformes et d'améliorer les choses aujourd'hui? Non, ça peut nous aider au contraire. Ce qu'on a vu, par exemple, quand on analyse les politiques publiques, si on prend l'analyse qui a été faite des politiques publiques de la gauche à partir de 81, je pense les analyses de Jobert là-dessus. Bon. Le fait d'avoir restreint l'espace mental, c'est-à-dire le fait d'avoir constitué le capitalisme comme horizon indépassable, et d'avoir constitué les politiques néolibérales comme une contrainte nécessaire, ça a limité énormément les possibilités de réforme. Donc ça a restreint les réformes. Alors qu'on peut tout à fait être réformiste en se fixant un horizon très lointain. Ça n'empêche pas de réformer. Bon. Donc il y a eu une certaine vision où un couple d'opposition où l'ailleurs utopique est quelque chose qui s'imposerait aux réformes. Et une vision réaliste des réformes, ça s'imposerait nécessairement ou s'opposerait à la fonction de l'utopie. Je ne vois pas très bien comment. On peut avoir une vision pragmatique de l'utopie, à partir du moment où, d'ailleurs, où l'utopie, ça ne sert pas à être réalisé, mais ça sert simplement de repère, de boussole. De boussole pour la recherche, de boussole pour l'action. Bon. Alors là, il me semble que
il y a une piste intéressante pour nous qui nous permettrait à la fois de sortir du conformisme dans les sciences sociales et dans l'action politique, sans revenir justement, sans la nostalgie d'avant de ces années 60-70, qui effectivement, pour ceux qui ont connu un peu moins sur la fin, ne sont pas des années extrêmement stimulantes, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan politique. Je n'ai pas du tout de regret de ces années-là. Bon, nostalgie. Alors, je repensais à cette question de l'imagination, qui n'est pas simplement l'utopie. Je pensais, il y a quelques années, hein, il y a des étudiants de Lyon qui allaient faire leur thèse à Paris, à Sciences Po Paris, et donc qui travaillaient avec moi à ce moment-là, et donc qui est passé à Paris, donc avec d'autres un directeur de thèse différent, et donc qui avait commencé à travailler sur deux sujets. Et donc, l'idée, c'était de stimuler l'imagination. Et ces thèses ont été impossibles, et donc ils ont dû redéfinir les sujets. Et on voit bien le caractère extrêmement... et ils ont fait, comme tout le monde, la énième thèse sur le Front National. En sciences politiques, en France, il y a eu au moins des dizaines, voire des centaines de thèses sur le Front National, bon, pendant un temps. Et alors, il y avait une étudiante qui s'intéressait sur le désengagement. On ne s'y intéressait pas à l'époque, et après, il y a eu colloques, etc. Alors, je m'étais dit, faisons une comparaison que personne ne fait. Comparons une population de gens qui se désengagent d'un parti et une population de gens qui ont une rupture amoureuse. Et comparons les deux. Qu'est-ce que ça éclaire l'un de l'autre ? Bon. Alors évidemment, par rapport, disons, au conformisme académique, ça apparaît aberrant. Mais qu'est-ce que c'est que l'idéal type chez Max Weber ? C'est justement de trouver quelque chose qui systématise quelque chose qui fait penser à des écarts et donc qui... créer une intelligibilité par l'écart sur la question. Bon. Le deuxième exemple, c'était, on s'intéressait, à l'époque, c'était Brice Lalonde en France, un homme politique qui était passé des Verts à la droite, qui a incarné ça. Bon, les gens qui changent d'orientation politique. Bon, hein. Alors, en sciences politiques, on s'intéresse à ces gens-là, bon, des traites, des jaunes, des gens qui circulent. Bon. Et alors, j'avais proposé à un étudiant, et là aussi, on lui a changer son projet, et ça n'a pas du tout abouti à Sciences Po Paris, c'était de comparer une population de gens qui avaient changé assez fortement d'orientation politique, hein, au moins de gauche à droite ou de droite à gauche, etc., bon, droite, extrême gauche, etc. Et puis de travailler sur une population de transsexuels qui se pose la question du changement d'identité. Et alors aussi, c'était impossible. Tiens, on voyait bien l'appauvrissement de l'imagination sociologique. C'est impossible, non, parce qu'on va dire qu'il faut comparer des choses comparables. Alors évidemment, on va comparer la constitution de la France et la constitution de l'Allemagne, et on va faire l'énième étude de comparaison de la en quoi ça nous apporte des choses très intéressantes en sciences sociales. Donc il y a eu vraiment, à partir des années 80, une sorte d'appauvrissement de l'imagination sociologique, où l'imagination est même considérée comme un danger pour ce qui est la rigueur, bon, alors que ça peut être un stimulant de la rigueur. J'avais envie de vous faire revenir sur l'idée de dialectisation entre engagement et distanciation, parce que, somme toute, c'est bien de s'engager, c'est encore mieux de bien s'engager dans le bon sens. Et donc, ma question, ce serait peut-être de reprendre ce que vous avez développé, mais en sens inverse. Quelles seraient, somme toute, les ressources internes à la sociologie pour clarifier, pour justifier nos engagements normatifs. Donc sur quoi étayer éventuellement de l'intérieur les engagements normatifs que nous prendrions. Je sens bien que vous n'êtes pas burmacien. Les épreuves existentielles de Boltanski, le mépris, la souffrance, comment vous verriez cette dialectisation dans l'autre sens, en quelque sorte. Donc, en quoi le travail du sociologue peut aider celui du militant ? Donc, d'abord, dans cette dialectisation, il faut bien avoir en tête la première phase, c'est-à-dire cette idée qui est mal perçue par la vision, disons, la plus neutraliste académique, que avant de s'engager dans le monde, de manière consciente, on est engagé par le monde. Donc, voilà. Alors ça, c'est très important parce que
Ce qui fait qu'après, la question de l'engagement est vue de manière très restreinte, comme simplement le fait d'être dans un parti ou dans un syndicat. Bon. Ce qui limite tellement les choses. On est un homme, on est une femme, on est des tas de choses qui a des effets sur son travail scientifique, et on a délimité cet espace de partenance à des partis, etc., comme l'élément, la zone rouge, qui crée la perturbation, comme si c'était d'ailleurs l'appartenance sociale principale. On peut penser d'ailleurs que ces formes d'appartenance ont moins d'effet que d'autres formes d'appartenance, même sur l'imaginaire et sur la construction intellectuelle du sociologue. Alors après, de l'intérieur, ben, tout dépend de quelle philosophie de l'histoire on a. Il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai très, très marqué par la philosophie de l'histoire de Merleau-Ponty, qu'on retrouve d'une certaine façon dans quelque chose que j'ai découvert plus tardivement, qui est le pragmatisme philosophique de Dewey aux États-Unis, c'est-à-dire une philosophie de l'histoire qui intègre une dimension d'incertitude et qui est très différente de la philosophie de l'histoire d'inspiration hegélienne qui a marqué beaucoup le marxisme et beaucoup de visions et qui supposait une certaine vérité nécessaire ou une certitude. Bon. Si on est confronté à l'incertitude des conjonctures historiques, si je dois m'engager dans le monde à partir d'une connaissance partielle et provisoire, limitée, probabiliste, et comme le dit Merleau-Ponty, je dois le faire tout de suite, je dois prendre parti tout de suite, ne pas prendre parti, c'est une façon de prendre parti. Bon. Prenons les situations d'urgence, il y a un enfant juif qui est arrêté devant moi, on est en 43, qu'est-ce que je fais? Dans l'urgence, je dois faire avec une connaissance partielle et probabiliste de la situation. Est-ce que mon intervention ne veut pas conduire à ce que tout le monde soit tué, etc. Bon. Et donc, je dois nécessairement intervenir. Donc, dans ce cas-là, l'engagement, l'action ne peut au mieux s'appuyer que sur des paris raisonnés. C'est ça que je tire de la philosophie de Merleau-Ponty, des paris raisonnés, pas rationnels. C'est-à-dire, je fais un pari en fonction de l'évolution probabiliste de la situation, qui est nourrie par ma connaissance de sociologue, de la façon dont ça va évoluer dans tel ou tel sens, avec des connaissances, une connaissance qui est toujours un peu différente d'un autre sociologue, un stock d'expérience, etc., un peu différent. Donc, le pari raisonné sera toujours raisonné, mais pourra orienter dans une direction un peu différente. C'est pour ça qu'on ne peut pas définir le bon engagement. Mais on peut nourrir l'engagement de connaissances et d'un travail de la raison, sans que le travail de la raison et les connaissances puissent donner jamais le bon engagement. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, comment dire, le sociologue peut nourrir cet engagement de ses ressources. Et là, il y a les différentes possibilités que j'ai indiquées. Et il y en a une quatrième avec Boltanski, c'est-à-dire la dénaturalisation par l'historicisation, la dénaturalisation par la comparaison, disons, ethnographique, la dénaturalisation par l'imagination ou par l'utopie, et peut-être quelque chose qui est compliqué à comprendre dans le dernier livre de Boltanski, mais qui me semble très important, enfin très porteur, cette différenciation qu'il fait entre la réalité et le monde. La réalité, c'est ce qui est catégorisé socialement, on peut dire, à partir des preuves instituées, tandis que le monde, c'est tout ce qui advient. Et donc, la possibilité de remettre en cause les épreuves de réalité telles qu'elles sont constituées de manière dominante en allant puiser dans le monde, c'est-à-dire ce qu'il appelle les épreuves existentielles. Bon. Là, il y a une nouvelle possibilité aussi auquel peut être utile le sociologue. Donc là, pour nourrir ces paris raisonnés, il me semble qu'il y a au moins ces quatre voies. J'ai aussi une question par rapport à l'utopie, puis une autre plus générale par rapport à sciences et politique. Plus fort. par rapport à l'utopie, je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris, parce qu'il me semble que ce que vous dites, l'utopie serait apparemment servirait d'abord la politique, dans le sens du militantisme, pour faire avancer certaines choses, alors que l'imagination aurait plutôt des mécanismes plus heuristiques par rapport à la science. Et pourtant, malgré tout,
Étant donné que effectivement sciences et politique, militantisme et sciences, tout ça, ça peut s'alimenter les deux, et puis peut-être que c'est indissociable. Et je pense que Norbert Elias a... enfin, j'aurais envie de croire à Norbert Elias. Et du coup, j'ai l'impression que peut-être utopie, imagination, peut-être ont un peu le même mécanisme d'abduction, comme dirait Carlo Ginzburg, dans le sens que ça permet finalement aussi la découverte et dans la science, mais aussi dans les projets politiques. Donc ma question, c'était peut-être plus pour une clarification de la notion d'utopie. Puis la deuxième question que j'ai, c'est donc... étant donné justement enfin, ce point de vue science politique comme étant assez proche, je me demandais si non seulement il s'agit de développer la réflexivité, mais peut-être aussi une forme de subjectivité, mais pas une subjectivité culturaliste, mais plutôt une subjectivité en acte à la Merleau-Ponty finalement. Donc, mais bon, ça serait... Alors, pour moi, dans la clarification du débat, hein, pour moi, l'utopie, c'est un sens d'un ailleurs radicalement autre, hein, aussi dans du non-lieu, une sorte d'horizon de possibilité qui serait plutôt positif. C'est pour ça, dans ce sens-là, que l'utopie, ça serait une composante de l'imagination, et ça ne serait pas tout ce qu'on appelle l'imagination. Bon. Et pour montrer en quoi ça a une fonction heuristique, je partirai de... Parce que récemment, j'étais à un colloque à Liège où j'intervenais pour la première fois de manière systématique pour... Mon idée, c'était comment on peut se servir de la philosophie politique de Jacques Rancière depuis ses débuts, depuis son livre La leçon d'Althusser en 1974-1975, pour la sociologie, alors que Jacques Rancière est radicalement opposé à la sociologie, souvent, et donc notamment à celle de Bourdieu, etc. Alors bon, et en même temps, c'est une... Alors, dans un récent article, Jacques Rancière dit les philosophies de l'émancipation partent des capacités des opprimés. Et les théories de la domination, comme Debord ou Bourdieu, partent des incapacités des dominés. Alors évidemment, ça commence à clarifier énormément les choses, c'est vrai. C'est-à-dire, partir des capacités ou partir des incapacités, ça change les choses. Alors, construire comme un idéal type... à la manière de Rancière, d'un monde où les capacités sont égales, et on postule que les capacités sont égales, comme un idéal type qui permet de voir comment fonctionnent les collectifs humains, ça peut être intéressant, et ça peut éviter une tentation misérabiliste des sociologies critiques qui tendent à rabattre immédiatement les capacités sur les incapacités. Hein, en tenant... disons, vis-à-vis des acteurs, toujours, comme le dit Rancière, un savoir d'avance. Donc, il me semble que là, et c'est tout le... Par exemple, ce qu'on trouve chez Bourdieu dans la distinction avec ce qu'il appelle l'allodoxia, c'est-à-dire le fait que, dans les classes moyennes, on va se saisir de formes culturelles, politiques, etc., qui sont de l'ordre du simili, mais qui sont une mauvaise évaluation par rapport, disons, à la forme, disons, légitime. Et donc, avec un concept comme allodoxia, on enferme complètement le dominé dans l'idée que, à chaque fois qu'il exprime même une capacité, c'est une ruse de la domination. Bon. Mais on pourrait dire la même chose de la société de spectacle de Debord. Bon. Et alors, voilà une utopie intéressante. Mais c'est une utopie rancière. Ça peut construire des idéotypes qui éclairent autrement le fonctionnement de collectifs. Bon. Et c'est en ce sens-là que ça peut débloquer l'imagination sociologique, notamment quand l'imagination sociologique a été un peu trop labourée par la seule hypothèse des incapacités des acteurs, comme une évidence, et par une sociologie critique, disons, trop unilatérale, trop aplatissante, trop misérabiliste. Bon. Donc, alors, cette utopie, elle peut servir aussi dans l'action, par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une cité où on envisage les individus ayant des capacités égales. Bon. Mais il me semble que ça a un effet heuristique pour la sociologie elle-même. C'est pourquoi je me suis intéressé aussi, parce que c'est important d'un point de vue épistémologique, puisque, comment dire, les points de vue comme ceux de Nathalie Hennisch, il y en a très peu qui systématisent comme elle, c'est pour ça que je l'ai pris comme exemple, parce que, en fait, c'est le sens commun
qui est présent dans les disciplines sans qu'il soit jamais clairement explicité. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de sens commun corporatif, académique. À la fois, il est très présent et en même temps, il est peu travaillé. Et la plupart, même la plupart des sociologues importants, les Bourdieu, les Boudon, etc., à un moment donné, ont mis en cause cette idée. Donc, il est tenu par pas grand monde, en fait. Bon. Mais il est présent comme hégémonique, plus ou moins, dans les milieux académiques, comme référent. Et donc, par rapport à ça, ce point de vue très faible, d'un point de vue épistémologique, d'ailleurs peu souvent explicité, souvent on se contente de mettre neutralité axiologique et entre parenthèses Max Weber, voilà, c'est tout. Il faut, par rapport à lui, par rapport à son sens commun, faire beaucoup d'efforts pour montrer que du point de vue même de la rigueur sociologique et scientifique, ça ne tient pas, et qu'il y a une autre voie. C'est pour ça que mes arguments ont beaucoup porté sur en quoi ça apporte quelque chose du côté de la rigueur. Bon. D'où cette idée de réflexivité, je l'ai vu du point de vue de la rigueur, pas de la subjectivité du chercheur, mais du surplus de rigueur que ça peut apporter au sociologue. À cause, disons, de ce poids de l'inconscient académique qui pose la neutralité comme une sorte de référent du métier. Merci. Parce que moi c'est vrai que je suis philosophe politique de formation au départ. C'est que souvent, quand on. Philippe l'a dit, mais quand on fait l'histoire de la philosophie, on voit toujours, même si on prend Platon, mais souvent on prend Thomas More. Effectivement, c'est là. Et là, je suis d'accord avec cette idée d'écart, parce que y a Thomas More, lui, il parle de l'utopie, c'est un eutopos, un utopos, un lieu de bonheur qui est nulle part. Donc, il y a toujours les deux aspects qui apparaissent. Et je pense que ce serait cet écart, effectivement, qui fait toujours le. Enfin, c'est pas. Alors, justement, c'est la question. Est-ce que l'idée de le principe d'espérance de Ernst Bloch, est-ce qu'on peut l'assimiler à l'utopie? Le principe d'espérance. Oui, Ernst Bloch, c'est le grand penseur de l'utopie qui va pousser, disons, une sorte d'ontologie du non encore là, comme un référent, alors qu'on va tendance à assimiler ce qu'on appelle la réalité ou l'être à ce qui existe. Il pose que l'être se définit par le non encore là, donc par quelque chose qui n'est pas encore. Donc évidemment, et c'est marqué par la pensée de l'utopie. Sur Thomas More, je pense que ce qui est important aussi, c'est intéressant sur la question de philosophie politique, du rapport entre pragmatisme et utopie dans l'action. C'est qu'on a souvent interprété Thomas More comme une apologie d'une société idéale, qui est cette île d'utopie que visite ce voyageur imaginaire qui est Raphaël Itlaudé. Bon. Moi, j'ai fait une interprétation différente de ce livre, parce que la première partie du livre est un dialogue entre Raphaël Itlaudé, ce voyageur imaginaire, et Thomas More, qui se met en scène comme un personnage du roman, et qui est conseiller du prince. Et ce qui est passionnant dans le livre, c'est que ce n'est pas une apologie de l'utopiste, c'est une apologie du dialogue entre le pragmatiste et l'utopiste. C'est-à-dire que les arguments de Thomas More, personnage, pour inciter Itlaudé à participer au Conseil du Prince, à participer aux institutions existantes pour les améliorer, ne sont pas mis en cause. Mais en même temps, il y a l'importance des arguments du côté de Itlaudé pour dire « mais si je vais dans les institutions telles qu'elles existent, je vais leur ressembler ». Dans les deux cas, les arguments, c'est un texte très actuel, ce dialogue, les arguments n'invalident pas la position du pragmatiste et de l'utopiste. C'est comme si Thomas More nous invitait à ce que chacun soit un dialogue entre le pragmatiste et l'utopiste en n'invalidant pas les arguments de l'un et de l'autre, mais en les mettant en tension, en les prenant au sérieux les deux. Et donc, il me semble qu'on peut avoir une lecture assez différente de Thomas More. Sur ce, grand merci pour votre conférence et la période d'échange très enrichissante. Merci encore.